The house is warm. Hey, hey, salut, salut, c'est Lucas Luna dans The One House. Ma carrière musicale, bon, le début, ça a commencé comme une blague, en fait, quand j'étais encore au collège et tout. Et il y a eu un ami à moi qui m'a proposé un de ces jours, parce que j'étais en train d'écrire, en fait, des textes. Un ami qui m'a proposé, qui me dit, le texte que tu écris si souvent, en fait, est-ce que ça t'a déjà arrivé, en fait, que tu puisses aller en studio, en fait, enregistrer, parce que tu écris bien, en fait. Apparemment, tu as une belle main, en fait. Et il m'a accompagné. C'était ma toute première fois que je puisse entrer dans un studio. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, jusqu'à présent, en fait. Pour moi, actuellement, je peux dire la musique, elle représente énormément, beaucoup, énormément en fait. Donc tout ce que je peux faire, bien sûr, il y a la vie privée, mais plus, c'est la musique qui domine en fait. Faire la musique, c'est tant en faisant la musique. Mais en tant qu'artiste professionnel, là, aujourd'hui, je pense, j'ai 3 ans. 3 ans. Parce que je commençais en 2019, 20, 21, 22. Donc, je peux dire, comme à 4 ans, quelque chose du genre. La meilleure chanson de ma carrière. Bon, je ne peux pas dire ainsi. Parce que quand j'écris mes chansons, je les écris avec tout mon cœur, en fait. Dire une chanson qui m'a propulsé, oui. Mais dire que la meilleure des chansons, je ne pense pas. Parce que quand j'écris mes chansons, je les écris avec le même cœur, en fait. Avec passion et tout. Donc, pour moi, il n'y a pas de meilleure chanson que j'ai déjà écrite, en fait. L'artiste qui m'inspire au niveau national, il y avait Papa Wemba, il y a Lukwa Kanza et il y avait aussi Papa Lutumba Simaro. Mais au niveau international, les artistes qui me passionnent, en fait, en premier lieu il y a Chris Brown. Donc j'aime bien tout ce qu'il fait, en fait. Donc si j'aimerais même être un Chris Brown en miniature, je peux le faire. Mais bon, vu que je dois aussi garder le côté original. Donc, les côtés originalité, genre Lucas Luna. Et il y a aussi The Weeknd. Donc, ce sont les deux artistes, en fait, que j'aime. Donc, tout ce qu'ils font, en fait, me fascine, en fait. L'idée que je présente, d'abord, le titre, c'est Shele. Shele qui veut dire ennemi. C'est une chanson qui parle sur la jalousie, sur l'empoisonnement, sur une jeunesse qui est en train de se perdre, en fait, dans des futilités, en fait. Juste beaucoup de courage, de persévérance et d'audace aussi, surtout ça, et d'audace. Donc du coup, quand on te dit ici tu ne sauras pas, essaie un peu de mettre de l'audace, pas de l'orgueil mais de l'audace, afin d'aller vers l'avant, en fait. C'était Lucas Luna dans The One House. Très content d'avoir passé ces moments avec vous. À bientôt.